Salutations. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous sommes heureux de communiquer avec vous tous. Nous avons tellement de respect et d'admiration et bien sûr d'amour pour vous tous sur la Terre. Et nous ressentons cet amour pour vous à chaque instant de notre existence. Nous nous sommes entraînés à être centrés sur le cœur, à nous concentrer sur ce que nous ressentons et à nous aimer nous-mêmes ainsi que les autres. Maintenant, nous sommes des êtres non physiques, nous vous l'avons déjà dit, mais nous avions autrefois un corps et un cœur. Et nous avons commencé l'entraînement alors que nous avions encore un cœur. Et l'objectif était le même que le vôtre aujourd'hui. Vous souhaitez vous concentrer sur votre centre-cœur afin d'accéder à l'amour que vous êtes vraiment. Vous voulez trouver quelqu'un ou quelque chose qui vous rappelle cet amour. Il faut savoir alors détourner votre attention de cette personne ou de cette chose afin de vous intéresser davantage au sentiment d'amour qui sommeille en vous. Nous savons que beaucoup d'entre vous sont conscients de l'importance de l'amour propre, mais nous savons aussi que la plupart d'entre vous ne comprennent pas comment y parvenir. Si vous n'avez rien fait ou n'avez pas été digne de cet amour, comment pourriez-vous le donner? Vous voulez commencer alors par comprendre si vous vous êtes aimé ou non. Et cela commence par prêter attention à votre discours intérieur, à vos pensées, à vos paroles et même à vos comportements. Si vous faites une erreur en faisant quelque chose, à quel point avez-vous été dur envers vous-même? Si vous faites constamment des choses que vous ne voulez pas faire, est-ce que vous vous honorez vraiment et vous aimez-vous vraiment? Pouvez-vous ressortir ce type de pensée que vous pensez de vous-même et comment se sentent alors ces propres pensées? Vous ressentirez alors peut-être une sensation de vide, quelque part dans l'un de vos chakras, lorsque vous ne vous aimez pas vous-même, car vous ne serez pas aligné avec votre véritable moi, qui est l'amour. Et l'amour est la source, bien sûr, et elle vous aime. Ainsi, lorsque vous remarquez si vous êtes aimant ou non envers vous-même, vous serez alors confronté à une décision. Vous devez vous demander si vous voulez continuer à ressentir cela ou si vous préférez corriger vous-même votre parcours. Vous pourrez toujours remplacer une pensée qui ne vous fait pas du bien par une pensée qui vous fait alors du bien. Vous pouvez toujours vous concentrer sur quelque chose en vous-même que vous trouvez au moins acceptable. Et vous pouvez retirer ce zoom de vous-même pendant un moment. Et allez faire ce que vous aimez faire. Allez être avec les gens avec qui vous aimez être. Ou allez caresser simplement l'animal que vous aimez car vous savez qu'il vous aime en retour, inconditionnellement. Une fois que votre cœur est ouvert à quoi que ce soit ou à n'importe qui, il vous est également ouvert. Vous pouvez donc prendre ce but comme objectif et le mettre en pratique sur vous-même une fois que vous avez lancé le top départ en activant l'amour en vous par la concentration, en faisant ce que vous aimez faire. Vous pouvez également faire attention à la façon dont vous regardez les autres et si vous êtes aimant avec eux. Si vous êtes dur et critique avec quelqu'un d'autre, il y a de fortes chances que vous retourniez cela envers vous-même. Par conséquent, la meilleure façon de s'engager dans davantage d'amour-propre est d'être l'amour lui-même.
Demandez-vous chaque matin au réveil ce que vous voulez être aujourd'hui. Et les jours où vous choisissez l'amour, pour vous également. Et cela fera vraiment toute la différence. S'il n'y a personne dans votre vie en ce moment qui vous comble d'amour, d'attention ou de louange, alors rappelez-vous que la source vous aime. Rappelez-vous que vous êtes amour et rappelez-vous que vous pouvez trouver cet amour en vous. Même si vous n'avez jamais rien fait de remarquable ou de ne pas être devenu la personne que vous vouliez devenir dans cette vie, vous êtes qui vous êtes et vous êtes arrivé jusqu'ici pour être suffisamment éveillé pour recevoir ce message. Et vous pouvez vous aimer là où vous êtes, peu importe où cela se trouve. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous avons apprécié communiquer avec vous aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment. Merci. Merci. Merci.